Bonjour tout le monde, on se retrouve aujourd'hui pour une nouvelle vidéo. Alors aujourd'hui coloriage et aujourd'hui j'ai changé de livre de colo. J'ai pris le livre de coloriage que je vous ai présenté dans la précédente vidéo. Donc le Elegant Beauty de Alena Lazareva. Voilà, j'ai noté pour bien le lire. C'est celui où il y a beaucoup de chevelure à colorier. Voilà, donc j'ai commencé donc un des colos. Je m'éclate dessus, voilà. Bien sûr, là, c'est un peu plus long à faire. C'est normal, hein, puisque les cheveux, c'est beaucoup plus long à colorier. Puisque là, c'est mèche, hein, c'est des mèches. Donc, on fait des mèches, voilà. On change beaucoup de couleurs, on revient sur les couleurs, on reprend une couleur, on revient sur une couleur. Voilà, vous verrez dans la vidéo. Alors, vous verrez aussi que je n'ai pas terminé les cheveux, parce que là, bon, c'est une longue chevelure. Et ce que j'ai fait, là, ça m'a pris un bon 2h30 pour le faire. Donc bon, je vais terminer normalement aujourd'hui, enfin là, demain. Je terminerai demain les cheveux de ce personnage. Là, il reste plus grand chose. Hein, il reste le bas, toutes les boucles des cheveux à faire. En espérant que mon crayon marron aille jusqu'au bout. Il me reste ça de mon crayon. Il faut que je vois d'ailleurs avec Prismacolor, parce que je sais pas, sur Amazon je crois que je ne peux pas commander les crayons un par un. Donc il faut que j'aille voir sur le site directement de Prismacolor si je peux commander les crayons un par un, parce que là, bah, du coup il y a le crayon a diminué. Et j'en ai deux ou trois qui commencent à bien diminuer. Et je vais être embêtée si j'en ai plus. Donc, je vais voir sur le site de Prismacolor si je peux les commander à l'unité. Et si je peux, bah, je viendrai vous en reparler. Je vous dirai comment ça se passe pour les commander à l'unité. Parce que là, le site n'est pas en France, bien sûr. Et donc, je verrai comment ça se passe. Je vous le dirai. Donc, j'espère que l'on peut les commander à l'unité. Sinon, j'ai beaucoup, beaucoup aimé faire ce début de coloriage. Ce livre de colo me plaît beaucoup. Je sens que je vais bien m'éclater dessus. Comme vous avez vu, hein, dedans, il y a des colos aussi à faire sur des personnages métis, sur des personnages japonais. Donc ça, j'ai jamais fait. Donc bon, ça devrait pas être plus compliqué. Hein. C'est juste les couleurs qui devront changer, mais bon, voilà, on fera. Là, je vous ai mis en incrustation les numéros des crayons que j'utilise à chaque fois que je change. Donc, vous allez voir que plusieurs fois, certains crayons reviennent. Enfin, tous les crayons reviennent plusieurs fois, ce qui est tout à fait normal. Donc, je vous ai mis le début de la vidéo pour les deux premières grosses mèches en vitesse normale pour que vous puissiez bien voir comment je fais. Et après, la suite, bon, comme c'est toujours la même chose, je l'ai remis un petit peu plus en rapide pour pas que la vidéo vous dure 2h30. Hein. Sinon, là, vous allez venir me dire, Edith, il y en a marre. Pardon. Et mon petit chat dans la gorge. Alors, sinon, bah, rien de neuf. Ça va.
Il devait pleuvoir, il pleut pas. On a croisé les doigts. Juste fait un petit peu de jardinage hier, mais bon, pas grand-chose. J'ai juste fait mes bébés framboisiers. Je leur ai fait un petit carré et je les ai déplantés, replantés. Donc, on va voir s'ils reprennent bien. C'est tout ce que j'ai fait hier dans le jardin. Parce que bon, il y avait du soleil, mais il faisait pas chaud. Voilà, j'ai la voix, mais alors, d'outre-tombe. Donc, voilà. Donc, je vais vous laisser visionner cette petite vidéo. Petite comme ça. J'espère qu'elle vous plaira. Du coup, avec ce nouveau bouquin de coloriage, je vous remets en barre d'infos le lien pour retrouver ce livre, si vous intéresse. Et en même temps, comme j'avais eu plusieurs demandes de personnes, d'abonnés et de personnes aussi sur Facebook, qui me disaient ce serait bien qu'on puisse voir les coloriages de l'une ou de l'autre, ou même les différences quand les personnes font les mêmes coloriages que moi. Donc, j'ai ouvert un groupe sur Facebook. Oui, désolée pour celles qui n'ont pas Facebook. J'ai ouvert un groupe sur Facebook consacré au coloriage. Donc, je vous avais déjà mis un message dans la communauté, mais pour ceux qui ne l'ont pas vu, je vous le redis ici. Donc, c'est consacré au coloriage. Donc, là, vous pourrez venir y mettre tous vos colos, venir parler de vos colos, de vos bouquins de coloriage, de vos crayons, de tout ce qui concerne le coloriage. Donc, je vais vous remettre l'adresse du groupe, pareil, en barre d'infos. Donc, n'hésitez pas à venir vous y inscrire, hein, vous y êtes les bienvenus. Ça fait ben, 2 jours hein, qu'il est ouvert le groupe. Donc, je vous y attends, vous y êtes tous les bienvenus. Voilà. Et comme ça, on pourra partager nos colos. Et si vous faites les mêmes que moi, ben, comme ça, on pourra aller voir vos modèles à vous aussi. Et puis, si vous avez besoin de conseils, justement, en même temps que vous faites les mêmes coloriage que moi, si vous avez besoin de petits conseils en même temps, ben, je pourrais vous les donner. Voilà. Allez, je vous y attends tous rapidement. Et en attendant, je vous laisse visionner la vidéo et je vous fais plein, plein de gros bisous et je vous souhaite une bonne journée. Allez, on se retrouve tous rapidement pour de nouvelles vidéos, de nouvelles aventures et plein de belles choses comme d'habitude. À bientôt. Bisous, bisous. Bon visionnage.
Thank you.
Thank you.